Les méthodes que vos collègues dirigeants de la poste. Quand ça va l'acheter, monsieur, je vous laisse arrêter. Non, mais non, et vos méthodes, elles sont bonnes, c'est-à-dire que vous en coûtez, les gens sont sans salaire, les gens sont persécutés sous leur travail. Vous savez qu'à la poste, c'est plus de 70 suicides et tentatives de suicide depuis 2010. Non, je ne suis pas encore énervé, je ne suis pas énervé. Est-ce que vous savez que depuis début 2010, plus de 100, vous en foutez de ça aussi. Vous ne voulez pas seulement les mettre tranquille. Tranquille. S'il y avait du soleil, vous seriez après de la plage. Et puis la vie continue. Tant pis pour les postes. Mais vous avez une drôle de façon de considérer les Martiniquais quand même. Qu'est-ce que je raconte? Je réponds ce que vous êtes en train de dire. Vous avez dit que ce qui vous intéresse en premier lieu, c'est passer un premier mètre tranquille. C'est ça que, c'est ce qu'on a entendu. Que vous n'avez et nous, c'est pas la même chose. Non, vous voulez sauver la face, vous voulez sauver la face, vous voulez sauver votre face.
Je ne connais pas votre femme. Vous ne connaissez pas votre femme. Vous ne connaissez pas votre femme. Vous menteur. 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 Non. 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 Des gens qui persistent dans la violation de la loi, ce sont pire que des bourreaux, ce sont des délinquants. Des gens qui persistent dans la violation de la loi. Aujourd'hui, monsieur, le syndicat, par exemple, aurait dû être invité à l'inauguration de la nouvelle PPDC. Notre syndicat est légalement constitué, même s'il n'est pas représentatif. Selon vous. Même s'il n'est pas représentatif, selon vous, il devrait être invité au dialogue social. Et vous l'écartez. C'est une violation. C'est une violation. Et vous ne répondez pas à tous les courriers. Vous n'avez pas répondu à tous les courriers. Ça aussi, c'est une violation. S'il vous plaît. Une minute. Je vais vous poser une question. Et répondez-nous, honnêtement, soyez sincères, tout ce que je vous demande. Est-ce qu'on a insulté cette femme quand elle est sortie là? Répondez-nous. Je ne sais pas. Ah bon, voilà, c'est mieux. C'est bon. Je préfère. Là maintenant, on repart sur de bonnes bases. Parce qu'on ne peut pas n'importe quoi. J'ai entendu des cris quand elle est sortie. Des cris? Depuis 7 heures, vous entendez des cris, des gens qui chantent, oui. Vous appelez ça des cris? C'est quelque chose de traditionnel de chez nous, que peut-être que vous ne connaissez pas. Écoutez, monsieur Claude François, vous êtes directeur de la poste. Prenez le tour par l'école. Vous êtes responsable de la poste, me semble-t-il. Donc prenez vos responsabilités, et puis dites à vos dirigeants au plus haut niveau, au siège, parce que c'est eux qui pilotent ça, dites-leur, réglons le problème. Voilà, c'est ça. Reconnaissons nos erreurs. Dites-leur. Oui, parce qu'il y a une certaine solidarité de caste, on a bien compris ça. Mais n'empêche que les faits sont là. Les faits, ils sont là. Okay. Il n'y a pas d'acte. Tant qu'il n'y a pas d'acte, ben on va manifester. Il a reçu. Donc ça reste bon enfant et sympathique. Tant que vous vous adressez au directeur de la poste, c'est que de la poste. Oui.
Ma famille, elle n'a rien à voir avec la poste. Non, non, pas du tout. Monsieur, la famille n'a rien à voir avec la poste. Non, pas du tout. Mais quand on a parlé de votre famille, il y a personne de famille. Personne n'a parlé de votre famille. Vous avez tout compris qui ça, c'est de votre famille, mais c'est tout. Vous êtes trompé. Non, on a pas dit ça, on parle de créole, le groupe ne fait pas de créole, ça parce qu'on voit une histoire, une interprétation. On n'est pas venu pour interpréter la famille de monsieur, c'est pour ça qu'il y a des gens qui avaient été l'homonyme du chanteur. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, hein. Ah bon, ce qui n'est pas le cas, mais ça vous arrange de le penser. Non, en tout cas, si vous aviez... Je m'appelle monsieur François, je m'appelle pas monsieur François. Ouais, mais si vous aviez dit que vous aviez dit que vous êtes arrivé ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en serait pas là. Et prendre vos responsabilités, c'est quoi? Vous êtes directeur du département, vous avez un niveau de responsabilité, vous analysez les choses de manière neutre, sans prendre parti pour tel ou tel, en vous désolidarisant justement des gens qui ont commis des exactions. Et vous dites voilà, voilà, on rétablit, on restaure le droit, on respecte les uns et les autres, et puis c'est ça qui va les faire. Là, vous êtes en train de salir un peu plus l'image de la poste, parce que vous persistez à vouloir croire que bon, comme vous êtes soutenu plus ou moins par le gouvernement, attendons 2012 pour voir si vous serez soutenu, ça c'est encore une autre affaire. Donc vous êtes soutenu soi-disant par le gouvernement et vous pensez que ben, vous allez finalement étouffer l'affaire et puis que vous allez faire plier des petits Martiniquais. Hein. Bon, et puis voilà, quand on, c'est pas très grave, quoi. Bon, on s'en fout, bon, voilà, c'est tout. Mais en réalité, à aucun moment, vous ne dites, voilà, je m'assois autour de la table et puis on parle, on se respecte mutuellement et on respecte le droit. À aucun moment. C'est grave. Le dialogue a été respecté. Une amorce de dialogue. Je vous ai fait beaucoup de choses. Là, quand on est dans le travail, on est Vous me dites, parlez-en à vos dirigeants, j'en parlerai, je le dis là, je ne sais pas vous dire aujourd'hui quelle sera la suite. J'en parlerai, je m'engage ce matin à en parler, on reparlera du cas de la CDMP, je parlerai incidemment du cas de Hervé Pinto, et pas de Pinto Hervé, le cas de Hervé Pinto, et ensuite, je vous verrai dans le mois de mai, on discutera des retours sur vous. Bon, alors, est-ce que ça vous convient? Ça me convient, mais une dernière chose. Reconnaissez quand même que l'arrêt du Conseil d'État, il a dit quoi? Il a dit quoi que? Il a dit que l'accord du 27 janvier 2006 a été annulé. On est d'accord là-dessus. C'est ce qu'il a dit. Oui, il a annulé l'accord. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Ça veut dire que l'accord a été pris en violation du décret 82-447. Est-ce qu'on est d'accord? Non mais attendez, on est quand même intelligent. Soit on se dit les choses franchement, est-ce que cet accord-là a été pris? Non mais je ne vais pas être très long, vous allez me comprendre. Mais pourquoi vous ne voulez pas être point avec moi? Vous parlez de... Est-ce que l'accord a été pris en violation de décret, oui ou non? Je ne suis pas d'accord là-dessus. Non mais franchement, là vous... Écoutez, vous savez bien que je suis juriste. Vous savez non, bien... Pas, bon, posté pour moi. D'accord, bon, mais en tout cas, tout le monde comprend qu'il y a eu un accord qui a été annulé par un arrêt du Conseil d'État. Donc cet accord-là, que la Poste avait pris, a été pris en violation, attends, a été pris en violation de décret. Donc ça veut dire que il y a eu un préjudice. Il faut réparer un préjudice quand on commet une faute. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut réparer un préjudice. Mais non, mais il ne me dit pas. Le de la Poste a donné le cheminement. Oui, attends, excusez-moi. Il a donné le cheminement. Je suis désolé, j'aime bien savoir. Moi, c'est pas la Poste. Aujourd'hui, comment vous êtes? Non, madame, tu dis que tu es représentant. Aujourd'hui, il a pris une décision là-dessus. Il a donné le cheminement. On n'est pas. Vous êtes possible? Oui, aussi. On va voir ce qu'il va faire. Oui, mais là, il est en difficulté parce qu'il ne reconnaît pas. Mais il ne reconnaît pas les choses. C'est pas normal. Mais il faut reconnaître la vérité. Moi, si je fais une erreur, je reconnais mon erreur, et puis voilà, c'est déjà la première chose. C'est bon, il est bon. C'est bon. Elle a eu le cheminement. C'est bon. D'accord, vous êtes rencontrés, on a eu le cheminement. Oui, d'accord, on verra. D'accord, on va pas continuer à discuter longuement sur la pluie, d'ailleurs, ce sont des sujets qui se discutent là. D'accord, donc il y a eu un rapprochement qui se fait entre vous. Ok. C'est parfait. C'est entendu. Ça va s'améliorer, ça va avancer. Ok, d'accord, donc je dis que c'est pas la peine de continuer. C'était pas le lieu de discussion. Bon, alors, justement, alors c'est pas le lieu de discussion. Tu as quelque chose à nous dire, dès que tu nous dis le lieu de discussion, il est... Non, je vais donner un éclaircissement là-dessus. D'accord, là-dessus, on est ok. D'accord, ok. Et puis là-dessus, le conseil... Ok, d'accord, ok. D'accord, on t'attend.
Bah, non, je pense que c'est comme ce narcissique qui va aller négocier. Absolument, absolument. Moi, voilà, là-dessus, j'ai. Moi, c'est de régler le problème pour la journée, puis voilà, c'est ça que je fais. Ce que je propose, hein, c'est qu'on se donne un rendez-vous fin mai, qu'on fasse le point, un point précis des choses. D'accord, hein, alors vous allez tout savoir de ma vie, mais je dois subir une petite intervention, mais pas parce que vous m'avez énervé ce matin. Pas grave, j'espère. Vous avez tort d'être énervé. Pas grave, j'espère. Je suis pas énervé, mais non, un petit problème mécanique sur un genou. Ah, d'accord. Donc je vais être arrêté un petit moment. On va se dire tout à fait fin du mois de mai. D'accord. Alors, entre le 25 et le 30. Et à ce moment-là, je reçois une délégation. Trois personnes. François Le Drouillet. Pardon ? François Le Drouillet pour ça ? Bah oui, oui. D'accord. Vous lui passez le message ? D'accord, sans souci. D'accord. On remercie beaucoup. Bonne fête de journée à vous, bonne fête de bonne journée. Bah écoutez, il va être plus vieux. Oui, mais on va faire avec. Premier avis d'être plus vieux, premier mais heureux, c'est ça ? Tout à fait. Avec. Et donc on va continuer. Bah ça, c'est le plus vite. Non, mais dans la vie, tout le monde se bat. Vous battez de l'autre côté, nous de l'autre côté, tout le monde se bat de la vie. On se bat côté toujours. Quand on est 10 ans, etc., on se bat. Je ne considère pas la vie comme un combat, je considère la vie comme une construction. Ah, mais c'est pour beaucoup, c'est peut-être mon côté alsacien. On vous met des pièges et des obstacles pour bien se battre. Beaucoup de désespérés se battent chaque jour pour vivre survivre, parce que c'est un combat pour faire. C'est vrai qu'il y a un aide. Il ne se bat pas lui, il allait. Ouais. Donc aussi, ils ont plus d'avis. Bon, le mec du CAC 40 s'en allait aussi. Bon. Non, mais attendez, ne me comparez pas à un mec du CAC 40. Pas du tout, mais vous êtes à l'aise aussi. Vous êtes à l'aise aussi. J'ai pas dit ça. J'ai travaillé, j'ai de la chance, peut-être. Hein. De la chance, on va dire. Du mérite, on n'a pas tous la même chance. Du mérite, tout le monde. Ah, vous allez dire de la chance, moi je dirais peut-être du mérite. Monsieur dit du mérite, je le remercie. Ah, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonsoir, à bientôt. Bonne journée à vous. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc on a décidé quelque chose. Je viens, on va partir. Regardez, ça marchait, il vous a expliqué ce que vous avez expliqué, tout va à Babel. Et me fini. Il vous appartient à vous. Moi personnellement, je vais vous féliciter. Mais non, l'année en groupe de soldats là, les soldats, ils savent, mais nous, ils ne connaissent pas, nous sommes capables d'infiltrer n'importe dispositif de mettre en place. C'est pas vrai, nous avons nous avons tout éclat. Ils ont fait. 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 Ils
D'accord. Moi, ça aurait été jamais. Ça va.